J'aurais pu te commander, comme tous les enfants, des jouets par milliers comme on fait tous les ans. Une épée, une raquette, une console, une BD, une tablette, des bricoles. J'aurais pu t'écrire en prose comme font les gamins et attendre que repose au pied du sapin des poignées attendues de cadeaux, des paquets beaucoup plus qu'il n'en faut. Si le bonheur appartient à qui fait des heureux, si cette année tient, moi je ne garde que le nécessaire. Un coup de cœur, des choses à faire à l'intérieur, le nécessaire. Beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, et c'est tout. Toi, moi, nous. J'aurais pu jouer les pantomimes comme font les bambins, le nez collé aux vitrines des grands magasins, féerie de chimères qui défilent, la magie des lumières de la ville. J'aurais pu croire au dernier mirage en vogue, chercher l'ivoire dans les pages d'un catalogue. Mais l'âge d'or, la tendresse, la chaleur, les trésors, les richesses sont ailleurs. Si le bonheur appartient à qui fait des heureux, si cette année tient à moi, je ne garde que le nécessaire. Un coup de cœur, des choses à faire à l'intérieur, le nécessaire. Beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, et c'est tout. Cette lettre, c'est celle des enfants du monde qui prétendent à l'essentiel. Peut-être que pour Noël, on va nous répondre. Elle se veut universelle, le nécessaire. Un coup de cœur, des choses à faire à l'intérieur, le nécessaire. Beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, le nécessaire. Un coup de cœur, des choses à faire à l'intérieur, le nécessaire. Beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, le nécessaire. Un coup de cœur, des choses à faire intérieur, le nécessaire. Beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, et c'est tout.